respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nous ? Oui, mon amour. Marion Nous. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous n'avez même pas fait déjeuner ? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On ne dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Faut que vous fassiez des films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus. Bon, bah voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre des plumes dans le cul pour faire indien. C'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une pose de révolutionnaire. J'en peux plus de ce coup. Je sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi? Peu importe finalement. Parce qu'ainsi va la vie. À bordure du sable.